Salut tout le monde, c'est Matrix et aujourd'hui on se retrouve sur du LCPDFR sur GTA 4, le mode. Vous savez c'est quoi, j'ai pas besoin de rien vous expliquer parce que j'ai déjà fait deux vidéos sur ce mode là. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'explique pas encore tout ce que c'est ce mode là. Fait que allez juste voir mes deux précédentes. Tu te calmes toi. Allez juste voir mes deux précédentes vidéos pour comprendre un peu ce que je fais dans un véhicule de flic et que j'ai un skin de flic. Avant de commencer la vidéo, je voudrais dire que tout d'abord que je suis en train d'être malade un peu, ça s'entend peut-être un peu à ma voix, je sais pas. Mais je suis en train d'être malade, j'ai mal à la gorge. Et c'est moi ou... Ah non, ok. Et que j'ai... Ça fait deux jours de suite que je travaille. J'ai commencé à travailler, puis... Puis j'ai fucking mal partout. Mais je me dois de vous faire des vidéos, puis en plus, je suis toute seule. Donc, je me suis dit que c'était le parfait moment. Donc, rien que pour dire que si vous entendez dans ma voix que... C'est pas comme d'habitude, bah, c'est ça. Bref, pour LCPD aujourd'hui, on est parti là-dessus. On va essayer de faire quelques petites arrestations, peut-être même pouvoir voir des courses-poursuites. Faudrait que je dise aussi que j'ai fallu que je brise les graphiques de mon jeu. Parce que... graphique, mon ordi supporte le jeu au maximum. Mais avec le mode qui est pas tout à fait... wow, tu te calmes toi. Avec le mode qui est pas tout à fait stable, c'est vrai qu'avec le graphisme au bout, le jeu lag énormément. Mais encore une fois, c'est vraiment à cause du mode qui est mal optimisé. Mais là, est-ce que je suis en service, moi, là? Voilà. Peut-être pour ça que je recevais pas l'appel. C'est vrai que là, il y a GTA V qui arrive sur PC le 14 avril. S'il n'est pas encore repoussé. Mine de rien, le mode risque probablement de sortir sur GTA V. Ça va vraiment être fou avec toutes tu sais bien que GTA V, les graphiques et tout, ça va vraiment être fou, là, franchement. Le mode risque pas de sortir tout de suite. Lui, je le trouve là, j'ai tout le temps tourné. Est-ce qu'on l'arrête? Allez, on l'arrête. On va placer des barrières ici pour pas se faire rentrer dedans. Parce que l'intelligence... Ah ben, il s'en va. Wow. C'était à prévoir. Ça commence bien l'épisode, c'est directement une course poursuite. Je le trouvais louche aussi. Je le suivais puis il tournait tout le temps comme s'il voulait pas que je le suive. Oh, s'il fonce dans les affaires de gaz, ça va exploser. Il fait quoi là? Il fait quoi? Ah bah ok. Il sait. Il s'est arrêté, mais je sais pas, ça... Ah, il y a un collègue qui nous a rejoint, c'est cool. J'ai modifié ça aussi dans les scripts du jeu. J'ai pu modifier pour que dans les courses-poursuites, il y ait plus de véhicules qui viennent nous aider. J'ai augmenté le nombre qui était de 5 à 7. Et le nombre d'agents sur place, le nombre à pied, ah bah bravo, de 20 à 5, pour qu'il y ait moins d'agents et plus de véhicules, lui, bon, on va le bloquer. Tout simplement. Allez, 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 allez. Il fait quoi là? Il est bugué. Hey, non, 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 mais... Non, non, mais il se croit où, lui? Monsieur?
Monsieur, enlève ses mains. Ah non, il veut pas. Ah, il y avait une arme. Oh, il y avait une arme. Monsieur, on met les mains dans la tête. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous. Ah, il y avait un collègue. Tu veux lui passer les menottes, collègue? Vas-y, c'est moi qui l'ai arrêté, mais vas-y, prends le mérite. C'est pas grave. Collègue, tu fais quoi? Oh, tu fais quoi, toi? Voilà. On va ramasser son arme. On va pas la laisser là. Voilà. Tu bouges, toi? Bouge. Des fois, ça arrive qu'il y a des petits bugs comme ça que le personnage est buggé. Ça fait assez chier parce qu'il faut le tuer, parce que sinon il reste buggé tout le temps comme ça. Je vais le taser, voir. Hey, tu bouges. Sinon, bah, faut le tuer parce que. Sinon, ça compte comme si on l'arrêtait jamais. Ah, ben. Ah, ok. Il s'est téléporté dans le véhicule. Bon. Bah, ça, au moins, c'est fait. Première petite arrestation en début de jeu. On va appeler le. La dépanneuse. On va laisser son camion là. C'est quand même pas pire. Après 6 minutes de vidéo, on a directement. Une petite course-poursuite. Je le sentais mal, lui. J'ai fait la mise à jour du mode aussi, mais elle change pas grand chose. Ou en tout cas, je sais pas vraiment ce qu'elle change. Mais c'est pas plus mal. Au moins, la mise à jour est faite. Peut-être que ça rendait juste le jeu plus stable. Je sais pas. Je l'ai fait hier soir parce que je me doutais que je ferais une vidéo aujourd'hui. Oh. Il pleut, les routes glissent. Ouais, j'étais en train de parler de GTA V justement. Je disais, le mode va pas sortir GTA V le aussitôt que le jeu va sortir PC. Parce que ben, vous savez probablement que Rockstar aime pas qu'on puisse modder leur jeu puis tout ça. Ah, on a une appel. Rockstar aime pas beaucoup qu'on puisse modder leur jeu. Donc souvent il essaie d'empêcher ça un maximum, mais il risque d'être modé pareil. Mais ça risque d'être un peu plus long. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Probablement des clodos. Ah, une bataille. Ah ben, ok, il y en a rien qu'un attrapé. Lui, c'est ok, c'est une victime, l'autre. Oups. Merde, il est parti dans la ruelle? Je suis pas sûr de comprendre en fait par où il est allé. Là. Non mais, ah, je déteste. Ah, t'es sérieux, visuel sur le suspect perdu là? Ok, non, je sais, il est où. J'aurais dû le. Il fait noir, putain. On va lever un peu la luminosité, je sais pas si c'est moi, mais. Désolé. J'aurais dû suivre directement parce que. Ah non, mais t'es sérieux là que le suspect s'est évadé? Ok, il a pris un train quoi. Bon ben ok, j'ai manqué carrément cette intervention là. On va essayer de pas crever. Je me suis carrément planté là-dessus. Mais j'ai cru qu'en fait que c'était une ruelle qui allait sortir de l'autre côté de la rue. Enfin, je me suis dit je vais juste faire le tour. Mais non, il y avait des escaliers en fait. Je me suis fait avoir comme un putain de débutant. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose aussi que qu'ils ont rajouté dans le jeu. Je vais vous présenter un petit téléphone.
Déjà maintenant, je sais comment utiliser le roadblock, le blocage de route. Je vous montrerai ça peut-être tantôt. Mais request bescon, on peut appeler un véhicule. Donc vous voyez, si j'ai, mettons, mon véhicule brille, je peux appeler une Cognoscenti, une Turismo, une Super GT, une Comet. Ah, il se passe quoi là? Il se passe quoi là? Ah, ok, ils ont retrouvé le gars. Oh! Qui l'a tasé? Oh yeah! Bon job les gars! Yeah! On va bloquer la rue par contre. Ah, je voulais le faire des pop là, je vous dis tout de suite, c'était un peu mon but là. C'est le moment, ça! Vous avez vu, le coéquipier, il est arrivé, il l'a tasé! Yeah! Ils ont peut-être amélioré l'intelligence artificielle dans mise à jour. Je sais pas, mais je l'ai quand même trouvé assez intelligent de faire ça. Peut-être juste un coup de chance, mais. Ah, bah c'est bon, c'est bon, c'est bon, on l'a eu. Bon. Continuer ce que je disais, request botcore, donc une Infernus, une Banshee, une Sultan, je peux les appeler pour qu'on vienne m'apporter si mon char brise. Turn off, je peux éteindre mon véhicule pour faire un peu caché dans l'ombre. Et je peux bien évidemment rallumer le véhicule. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est request botcore. Non, c'est pas là. Call pour service, call for mechanic or new vehicle. Donc, vous voyez ici aussi, je peux appeler les véhicules, mais c'est juste des véhicules de police. Ou faire appeler un réparateur. Bon, là, vous voyez en haut, le véhicule est en bonne condition, vous n'avez pas besoin d'un réparateur. Mais quand mon véhicule fume ou est brisé à un certain niveau, certains pourcentages, je peux cliquer là-dessus, puis il y a un mécanicien qui vient, qui me répare ça sur place, puis. Comme ça, chose que avant c'était pas possible, ben, j'ai plus besoin de revenir au poste, de fermer le mode, de rallumer le mode, de prendre un nouveau véhicule, des choses comme ça. Je peux directement tout faire à partir de là. Ce qui est particulièrement une très très bonne chose. Mais là, je suis en train de me demander vraiment si, s'il n'y aurait pas amélioré l'intelligence artificielle. Ce qui serait une énormément une bonne chose. Ah, le véhicule a été rapporté comme étant volé. Le petit scooter. On va aller se placer derrière lui, on va essayer de l'arrêter. Est-ce qu'il va s'arrêter, vous croyez? Ça serait mieux pour lui parce qu'avec un scooter, je suis pas. Ouais, je suis pas bien stationné derrière, j'imagine. Rangez-vous sur le côté. Le véhicule a été déclaré comme volé, donc concrètement, le petit monsieur, je peux l'emmener, je peux l'embarquer. On va voir si il est coopératif ou pas. What? Ok. Wow. Il avait une arme. Le monsieur, il vole il vole des scooters, puis il se promène avec des armes. On met les mains derrière la tête, monsieur. On met les mains derrière la tête, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation pour vol et pour possession d'armes à feu illégales et pour avoir fait feu sur un agent de la paix. On va appeler un prisonnier de transport. Venez le placer là. On va bloquer la circulation ici. Un peu comme pour faire délimiter une scène de crime. Vous voyez comme ça, c'est. Ah ouais, la police passe à côté. Vous avez vu, la police a tout simplement passé à côté.
Oui, attends. Ah oui, j'ai. Bon, il rentre dedans, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment amélioré l'intelligence artificielle, donc on va faire ça. Ouais, j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est améliorée. Ça, c'est bien. Allez-y. Wow, encore. Bon, on va répondre. Ah, vous pouvez passer. On va y aller, on va juste enlever ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, c'est peut-être encore quelqu'un qui est en train de se faire tabasser dans une petite ruelle sombre. Je vais monter la luminosité parce que je sais que au montage, la luminosité est pas très présente. Bon, j'ai vu. On va quand même sortir le taser, on sait jamais. Faut lui demander de quitter la zone. Mais on va quand même le fouiller comme que j'avais fait dans le premier épisode, vous le savez. Souvent quand on les fouille, on peut trouver des objets sur eux. De la drogue, des cartes de crédit volées, des choses comme ça. S'il n'y a rien, on va le laisser partir. Bon, on trouve rien. Il a de l'air quand même assez correct, donc on va juste lui demander de quitter. Voilà. Comme ça, tout va bien. Il va sortir de la zone. On va attendre qu'il quitte la zone. Et on va pouvoir y aller. Aussitôt qu'il va sortir de la petite rongeon. Et voilà. On va se mettre en ligne. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Ok. Et merde. C'est bon, je me fais tirer là. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 ça tire. C'est peut-être l'agent de police qui tire. Non, 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 non. Oui, c'est les agents de police. Oh, le carambolage. Oh, ça arrive, ça. Oh non, il est là. C'est l'agent de police qui tire dessus. Lui, on va l'emmener parce qu'il a l'air un peu buggé. On va l'emmener. Ça va calmer un peu les choses aussi si on l'emmène parce que c'est vrai que là. Ça a commencé à partir en couille. Voilà. Je vais vous montrer aussi quelque chose que je savais mais que je n'avais pas vraiment montré. Puis là, ça peut être utile parce que me semble que ça me redonne. Vous allez voir. On va attendre qu'il sorte du véhicule. C'est bon, c'est fini, non? Oui. Regardez. Si je viens ici, en arrière du coffre que je fais sur E, normalement, voilà. Et il devrait reprendre. Voilà, il m'a mis full life, full bouclier, et il m'a mis le shotgun de la police et full munitions. Ce qui est pas négligeable.
On va continuer notre. Oh, ce qu'il fait là, lui. On va continuer notre petite. Oups. On va continuer notre run. Peut-être encore jusqu'à 30 minutes, encore peut-être 10 minutes. Puis il se passe quand même pas mal de choses. Le jeu a pas planté, il est plutôt stable, aucun bug. L'intelligence artificielle a l'air d'être améliorée. Franchement, dans la mise à jour, j'ai l'impression que le mode a été vraiment stabilisé un maximum. Ce qui est pas plus mal. Ah oui, c'est ça que je voulais dire depuis tantôt que je parle beaucoup. Depuis tantôt que je pense à ça, puis que j'oublie, puis que je repasse, puis que j'oublie. Ah, un driver, un conducteur sous. Ivre. Oui, je voulais dire. Je vais probablement faire une saison. Sur ce jeu-là. Oh, je pensais pas que. Je vais probablement faire une saison sur SCPD à faire, que je sais pas encore nécessairement comment je vais l'appeler. Mais en gros, ça va être une saison probablement de. What? Par où il est allé pour aller là, lui? Ok. On va prendre mon arme, je sens mal, lui. Ah bah, ok. Je sais pas trop comment il a fait pour se ramasser ici. Monsieur, monsieur. S'il vous plaît. On va briser les roues. Il peut pas sortir par là. Mais, wow, qu'est-ce qu'il fait? Une madame de chez Burger King. Madame, s'il vous plaît, veuillez coopérer. Bon, merci. Bon, je vais peut-être finalement réussir à dire ce que je veux dire. Faire une saison qui va durer probablement. On va l'emmener au poste parce qu'il est un peu mal barré. Elle s'est mise dans un putain de trou. Faire une saison qui va durer environ 10 épisodes. Ou que je pourrais peut-être. J'ai des petits problèmes avec le programme qui sert à acheter des véhicules et tout. Mais que je pourrais essayer d'acheter des véhicules, des choses comme ça. Bref, peu importe. Une saison. Et essayer de la jouer. RP un peu, bah, tout simplement faire. Oh, pourquoi il coule lui? Sans faire plein de millions de choses de spéciales pour la saison, juste faire une saison, tout simplement, où que j'arrêterais des gens, il y aurait des épisodes probablement où qui se passerait plus à rien, donc que ça serait rempli d'action, des choses comme ça, vous savez c'est quoi de façon le mode. Et si ça vous plaît, bah, je pourrais faire une deuxième saison, puis une troisième, puis une quatrième, en rajoutant des choses à chaque fois. En essayant de les faire avec quelqu'un ou des choses comme ça, donc c'est quelque chose qui peut être assez le fun à penser. Mais je vais mettre mes lumières. C'est quelque chose qui peut être assez amusant à. Désolé, je vérifiais quelque chose. C'est quelque chose qui peut être assez le fun à faire, je pense, des saisons, parce que. Ben, moi, je m'amuse bien sur ce mode-là. En plus, que l'art à s'être stabilisé. Je m'amuse super bien. Je pense que ça se regarde quand même assez bien. Je pense que ça se regarde quand même assez bien comme vidéo. Donc, je me dis que ça peut être pas mal, vraiment, de faire une saison là-dessus. Sans être un let's play nécessairement, genre sortir. Une vidéo par semaine, comme ça, ça s'étend sur 10 semaines, ouais. Ben, vous voyez, sur 10 semaines, ça veut dire qu'une saison s'étend sur, ben, sur, deux mois, et, ouais, ça s'étend sur environ 2 mois. 2 mois pour une saison, ben, je trouve que ça s'équivaut, c'est pas trop court, puis c'est pas trop long. Ouais, c'est vraiment une idée là, que je pense faire dans très prochainement probablement là, de avec des nouveaux véhicules des pas des, bah oui avec des véhicules différents de celui que j'ai présentement
avec un coéquipier, sans coéquipier, changer de skin tout simplement, des choses comme ça, qui peut être assez bien, faire des épisodes en mode bourrin, en flic bourrin, ou peu importe. C'est des choses à essayer, puis je pense que je vais essayer prochainement. Je vais juste vous en parler, on va se mettre en ligne. Oh, arrête de chialer. Je me rends compte que je suis hors ligne. On est à 25 minutes d'épisode. Ah, j'irai pas, c'est trop long. On a 25 minutes. Je vais voir si. Pourquoi il passe quand même, lui? Je vais voir s'il y a moyen de faire d'autres choses. Puis si c'est pas certain, on va se lâcher ici. Lui, j'aimerais qu'il s'arrête. J'aime les commentaires des gens. Oups. Non, je suis. Ok. On va mettre conduite agressive parce qu'elle a passé sur une lumière rouge. Ah, un collègue là-bas. On va voir si si est correct ou pas. On va rejoindre le. Ah, j'aimerais ça rejoindre la poursuite, vite, vite, vite. Allez, allez, allez. On va rien lui donner un avertissement vu qu'il est correct. On va vite aller voir ce qui se passe là-bas. J'ai l'impression que nos coéquipiers. Ok, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais en tout cas, mes collègues le voulaient. Vous voyez, ça, c'est pas des choses qu'on voyait avant. Ah bah ben, bravo, le con. C'est pas des choses qu'on voyait avant, ça. Des collègues qui arrêtaient par eux-mêmes des gens. C'est choses que j'avais jamais vraiment vues, là. C'est bon. On va y aller. On va continuer peut-être encore 2-3 minutes. Puis si je passe rien, on va se laisser. Puis si on tombe vraiment contre quelque chose de gros, on va le faire. Bon. Et on va l'arrêter. On est là pour ça. Merde, 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 sors le taser. Bon, c'est bon, il s'est planté de toute façon. Voilà. On va aller le porter au poste, lui, puis on va se laisser. Ah non, pas encore ce bug-là. Allez, mais voilà. On va peut-être appeler une ambulance pour lui, par contre. On va venir ici. Call for service, call for ambulance. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, non, mais tu comprends pas, toi. Tu restes là. Vous voyez? Ils vont aller l'aider, je vais vous montrer, là. C'est rare qu'on voit ça. Des fois, ils nous disent qu'est-ce qui s'est passé avec lui aussi. Des fois, ça va écrire, par exemple. Il a mangé un coup sur la tête, il a mangé une balle, des choses comme ça. Il est mort, you got nothing more, time. Il est mort à 6h05, puis ils savent pas trop pourquoi. Vous voyez, il l'a pris dans son sac mortuaire, puis il l'a emmené. À des fois, là, c'est parce qu'il savait pas, j'imagine que. Je sais pas trop pourquoi, là, mais bon, moi je savais, là, il venait de se faire tabasser, mais. Des fois, ils peuvent nous dire. Qui s'est fait tirer une balle de shotgun, des choses comme ça, c'est assez cool, là. Et nous, on va aller porter
Le monsieur ici qui a tué la personne, donc qui est coupable de meurtre. Et on va se laisser ici. Si la vidéo vous a plu, je vous conseille de laisser un petit like parce que ça fait plaisir. Si la vidéo vous a déplu pour quelconque raison, vous pouvez laisser votre meilleur dislike en m'expliquant dans les commentaires pourquoi. Moi, je vous dis peace tout le monde.